La Côte d'Ivoire a connu une élection présidentielle émaillée de violence en 2020. Acteurs politiques du pays et membres de la société civile ivoirienne multiplient donc des initiatives pour éviter de telles situations durant les prochaines échéances électorales. Et la grande famille des médias entend également apporter sa contribution à la promotion de la paix et à la prévention des conflits liés aux élections. C'est dans ce cadre que le bureau exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a placé la 22e édition des Prix Ebony, cérémonie récompensant les meilleurs journalistes ivoiriens, sous le thème « Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée ?» Nous sommes dans le dialogue politique, le dialogue national, pour voir comment on peut organiser les prochaines élections législatives et autres élections locales. Donc il était important pour nous, au cours du week-end des Ebony, de marquer le coup. Marquer le coup en faisant quoi? En discutant autour vraiment du thème. Cette année, c'est l'une des grandes innovations. Pour le président exécutif de l'UNDCI, les journalistes ivoiriens doivent faire preuve de responsabilité et travailler avec beaucoup de professionnalisme. Cela permettra de calmer les esprits durant toutes les élections en Côte d'Ivoire. Le journaliste, c'est avant tout un éclair de conscience. C'est quelqu'un qui est le détenteur, pour moi, de l'action citoyenne. Le journaliste fait partie de la société civile. C'est lui qui donne le tempo au niveau du débat public. Donc, c'est quelqu'un qui doit véritablement être cette lumière-là qui doit constituer. Cette année, la nuit des Ebony se tiendra sur 3 jours et le programme sera meublé de conférences-débats, d'expositions et d'ateliers sur le métier de journaliste.